Chocobon. Et coucou les arrivants. C'est pas dit pour Cuisineur. Hop hop. On a le petit plaid, la petite boisson, tout ça. La petite, le petit sandwich. Clair de Luna. Hop, hop, m'installe. Alors, on en était où? Été de l'année 1, jour 38. Bon, j'ai pas autant de jeux affichés. Je sais pas pourquoi, c'est un peu buggé. J'ai quasiment le double sur Steam. Même s'il y a des moments où on est un peu sur le menu, mais pas au point de rester 7 heures sur le menu. Bon, j'ai Luna qui est réveillée. Hein. Du coup, elle est en forme. Elle est en forme. Hop, hop. Ils ont changé le truc de chargement. Ils l'ont changé. Avant, c'était pas ça le chargement, c'était l'image du jeu qui changeait de couleur. À mon avis, il y a des gens qui comprenaient pas que c'était un chargement et qui faisaient à TF4 parce qu'ils pensaient que ça allait bugger. On parie. Alors, en fait, c'était chargement. Et du coup, ils ont dû changer l'image parce que. Ah, c'est un QWERTY. Je sens que c'est ça. Alors, on était où notre quête ? Toujours les dettes à payer. Remède à la chaleur. Ah oui, c'est vrai qu'on avait débloqué un nouveau. Un nouveau donjon. On s'était dit cool, on va peut-être trouver ça, mais on n'a pas trouvé. Alors. Moi, je regarde un peu les succès suivants que je dois faire. Ça m'aide à mettre des objectifs parce que ça manque de quêtes qui donnent de vrais objectifs. C'était, on devait faire quoi? Vaincre un patatosaure avec la lave mala des grottes de mala. Donc patatosaure, c'est une patate qui balance des attaques de chips. Et après, c'est placer plus de meubles. Donc déjà, si on allait faire Monsieur Patatosaure, c'est pas mal. Ils ont changé, ouais, hein. On est d'accord, hein, ils ont changé l'image de chargement, hein, je suis pas folle. Alors je trouvais l'autre plus jolie, mais celle-là est plus... Bon, oui, elle est forcément... elle est plus compréhensible. À mon avis. Faut pas que j'oublie... Alors déjà, je suis plein... J'ai des pierres sur moi, ok. C'est... Faut que j'oublie que ça met pas de pause quand on est dans les coffres. Faut pas que j'oublie... On va aller un peu faire de la lave du coup. Par contre, mettre plus de meubles, faudrait agrandir le resto. Pour mettre plus de meubles là-dedans. Vous êtes mignon. Est-ce que j'ai des potions? C'est le truc à pas oublier à chaque fois. On va aller faire un peu de donjon. Moi, je fais des sessions donjon et des sessions. Oh putain, toutes les nouvelles quêtes. Alors, déjà, on va acheter toutes les potions. Quête. Je m'ennuie tellement, je n'ai pas envie de tenir la boutique. Salut Necha, qu'est-ce qui se passe? Zenzo m'a laissé m'occuper de la boutique aujourd'hui. Mais je ne tiens pas en place, j'ai envie de sortir prendre l'air. J'ai besoin d'inspiration pour inventer de nouvelles saveurs de bubble tea. Oh, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Pas vraiment. Oh, tu pourrais peut-être me rapporter des pierres de soleil pour m'aider à tenir. Si je peux pas sortir voir le soleil, au moins je l'aurai à l'intérieur avec moi. Si tu me rends ce service, je te donnerai une recette de calamar frit. Oh, c'est trop bon les calamars frits. On est d'accord, hein. On est d'accord les chocobos, c'est trop bon. Oh, je me suis éclaté le bide avec... Ah, avec de la longue sauce tomate et pâte. Ah, ok, pâte... avec un seul thé. C'est avec deux thés, j'ai cru que t'avais mangé des pâtes de quelque chose. J'étais très bien, c'est bizarre. Langue plus pâte d'animal. Bravo. T'as réussi à me perturber, bravo.
mange du calamar frit, regarde. Alors, elle veut combien? On sait pas, faut regarder. Lui, il veut quoi? Il y a deux quêtes! Pâte de chat qui... Ah non, ah non. On mange pas mes pâtes de chocobo. Allez, que quelqu'un m'aide, s'il vous plaît! Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas l'air d'aller. J'ai horriblement mal au ventre. Peut-être quelque chose que j'ai mangé pendant le voyage. Ça me prendra à faire confiance au stand de nourriture sur le côté de la route. J'aurais bien voulu de la soupe de tentacules. Ma mère m'en faisait toujours et ça me soulageait bien quand j'étais malade. Soupe de tentacules. La viande a un goût de gibier très particulier qui s'associe bien avec le bouillon aromatique. Le plat chaud et végétal vieillit très bien. C'est encore meilleur le lendemain. C'est pas si difficile à cuisiner, mais je n'ai pas de tentacules. Pourrais-tu trouver les ingrédients? Vraiment, merci beaucoup. En guise de remerciement, je te partagerai la recette. Ok, c'est quoi ton autre quête? Oh pomme, quelle coïncidence! Est-ce que tu pourrais m'aider? Eh, t'as loupé Sankukai quand il parlait le mouton. Hein. Ce matin, il parlait le mouton, t'as loupé ça. Hein. Gélolo, Kiki, Kumio, un niveau de plus. Que puis-je faire pour toi? J'aimerais vraiment goûter le dernier boba de Necha, mais j'aimerais quelque chose pour l'accompagner. Tu pourrais me trouver du poisson grillé? Je te récompenserai. Est-ce que tu me proposes la recette de l'un des meilleurs plats au monde? Le saumon grillé. Eri. Je te laisse le saumon, je prends le riz. Mais non. Attends, tu dois dire code code, Sankukai, t'es une poule. T'es une poule. Yann, c'est le mouton, toi t'es la poule. Ils ont pas compris, hein. Bon, on va voir s'il y a d'autres quêtes. Il y a lui aussi à la brasserie, il a une quête. Bonjour petit chaton, j'espère que tu vas bien. Bonjour Killon, quelle coïncidence de te voir ici. Ce serait incroyable de se dire que nous étions destinés à nous retrouver. Je sais pas s'il ne drague que nous, il drague tout le monde lui. Il a la chance, il échoue. Mais là, je te cherchais, ou plutôt je cherchais quelqu'un avec tes talents. Vraiment? Pourquoi? Je suis en train de concocter une épice assez spéciale et je manque malheureusement de bois flotté. Je me demandais si tu pouvais m'aider. En échange, je te donnerai la recette d'okonomiyaki que j'ai récupérée lors de mes voyages. Ouah, c'est quoi ce truc? Un plat traditionnel composé de choux, d'œufs, de farine et d'une viande juteuse frite. Un délicieux pancake plein de saveurs. Bon, à chaque fois, il nous fait des petits bisous, regardez. Il est trop, lui. Ça coûte combien le prochain sac à dos? Amélioré. 3500. Personne d'autre a des quêtes. Si. Je vais aller à la maison, je vais tout ramasser, je vais tout vous redonner. Salut, c'est toi qui tiens ton propre restaurant, non? C'est ça? Que puis-je faire pour toi? J'ai une faveur à te demander, est-ce que tu penses que tu pourrais me procurer de la viande dure? Oh oui, pourquoi en as-tu besoin? Je voulais cuisiner un burger pour mon père quand il rentrera à la maison, et j'ai absolument besoin de cet ingrédient. Burger. Un bon petit burger. Ou bien garnir deux petits pains chauds. Oui, je sais comment on fait un burger, merci. Autant, il y a des recettes que je connais pas, autant. Bon, bah, qu'est-ce qu'on peut leur prendre? Et après, on va aller faire notre succès. Enfin, notre succès. Journal de quête. Alors, viande dure, 20. Poisson flotté, 15. Poisson grillé, 10. Tentacule, 15. Pierre de soleil, au gaz. Oh my god. J'ai déjà tout oublié. Tentacule. Poisson, il faut qu'il soit grillé. Viande dure, j'en ai 14. C'est où la recette du poisson grillé? Et poisson frit. J'imagine que c'est pas pareil, poisson frit et poisson grillé. Ah mais elle est là, Logan!
gazeuse. Mais c'est comme ça qu'on fait de l'eau gazeuse. C'est des plats. Poisson à la vapeur. Y'a pas de poisson grillé? Et moi je cherchais vraiment à choper un butin de l'eau gazeuse en fait. En fait on fait fondre des glaçons. Par contre je vais pas avoir ces glaçons, mais ça c'est sur l'autre carte. Poisson frit. Poisson grillé. Ah ici c'est grillé. Ah bah voilà, c'est là le grillé. Coucou Tarquin, comment ça va? Comme mercredi. J'aurais dû m'en douter. J'en ai combien? 7 pour 3 je crois. Coucou Rétropixel. Alors, journal de quête. Viande dure, je vais pas avoir assez, enfin plus. Bois flotté, on va aller le chercher. Poisson grillé 10. Tentacule, il en faut 15. Pierre de soleil 15. Gazeuse, il m'en manquait. Bien, bois flotté, pierre de soleil. Une autre recette. Une autre recette encore. Eh. Nous on déconne pas. Hein. Non Luna, tu choisis pas ton moment. Maintenant c'est d'être tranquille. Je vous dis, dès que je peux pas, le chat est... Dès que je commence à faire un jeu, il faut que je sois au taquet. Oh, mon perso a 3% de fatigue. Faut que je range tout ça. Parce que si on meurt dans le donjon, on perd tout. C'est pour ça, hein. C'est chiant. C'est le côté chiant. T'as pas une petite poche sécuritaire? Oh, les tentacules, c'est bon, il me reste quoi? Viande dure et eau gazeuse pour Madeleine, mais j'ai pas assez de toute façon eau gazeuse. Voilà. Je regarde pas si loin, Tarquin. Coucou Aaron, comment ça va? Je fais pas partie des gens qui se hype pendant 10 ans pour un truc et après être déçu. Donc j'attends rien. Je n'attends rien. Et je prépare un mois ou deux avant. Je commence à faire mes demandes aux éditeurs pour les jeux. Mais là, j'ai pas encore regardé pour janvier, donc voilà. Mais les gens qui attendent des jeux, ils sont toujours déçus. Il y a
a que Ashes of Creation que j'attends, mais je regarde pas trop pour pas me hype. Pour ceux qui connaissent pas. C'est le seul truc où j'ai pris un pack et j'attends, mais après... voilà, je regarde pas trop, je... voilà. Le truc, il a déjà été reporté plusieurs fois. C'est reporté, c'est qu'il y a besoin d'être reporté. Parce que la plupart des gens disent reporter égale mauvais, mais c'est pas vrai, au contraire, ils travaillent plus dessus. C'est l'inverse en général. En général, on est déçus quand les jeux auraient eu besoin d'être reportés. Moi, je suis pas patiente, mais je vais pas me dire ah ouais, il y a ça, puis après c'est décalé, puis après c'est pas comme je voulais. Il faut qu'on trouve Monsieur Patate. Toi, j'imagine que t'attends quelque chose. Non, ouais. Alors, une tomate qui s'est débloquée. Ah, trop à faire. C'est vrai qu'il y a pas mal de jeux. Hein. Moi j'ai une petite. J'ai quand même des petits jeux en attente, ouais. En stock, il y a. Pour quand on a moins de jeux quand même. Il y a des périodes où il y a moins de jeux. Lui, je connais pas du tout. C'est quoi comme style de jeu? Je connais pas du tout, jamais entendu parler. Ou alors je l'ai vu passer, mais le nom me dit rien quoi. J'ai juste vu les images. Et comme tu dis qu'on en sait rien, on sait pas grand chose. Je pense pas. C'est pas là la suite. Night of the Old Republic. Comme ça me parle pas. Après, comme je dis, peut-être le nom du jeu me parle pas, mais j'ai peut-être déjà vu. Ouais. Si tu dis que c'est un remake, c'est qu'il est déjà sorti à un moment. C'est bizarre ce que le niveau il est là. La suite, moi j'ai pu louper. Ou alors j'ai pas vu l'escalier. À ce point. Après, je t'ai dit peut-être. Je vais noter le nom, peut-être ça va me. C'est un Star Wars. Déjà, si tu me dis Star Wars, déjà ça me parle plus. Moi, les titres des Star Wars, je les connais pas. Je suis pas niveau jeu vidéo. Star Wars, il y en a pas beaucoup que j'ai fait. J'ai fait le dernier MMO, le début. Mais j'en ai pas fait tant que ça. Puis c'est vrai que comme je disais, c'est comme Marvel quoi, c'est le genre de jeu où j'ai pas envie d'être spoil parce que moi j'ai pas encore vu tous les films. Et souvent t'es spoil parce que les gens ils sont à fond en train de parler de l'univers et puis te spoil. Donc souvent j'évite de les stream. Mais je comprends pas où est la suite. Je suis folle ou je suis folle? J'arrive pas à comprendre ce jeu, t'es un cuisinier ou un guerrier? Les deux. Pour cuisiner, faut qu'on ait des aliments. Et les aliments, faut aller les chercher dans les donjons. Donc quand on est dans un donjon, ça passe en mode roguelike.
Mais je comprends pas, je suis bloqué. Ah non, là, il y a un chemin. Oh, j'avais pas vu. Ah, c'est lui le monsieur patate! Il faut que je les balance dans la lave. Voilà, viens! Viens mourir dans la lave. Comment je les balance dans la lave? C'est où les patatosaures? Ils bougent pas! J'ai balance en la lame. Roguelike, c'est pas du franglais, c'est le type de jeu. C'est comme RPG, gestion, simulation. Ah, du roguelike, tu connais pas, Julien? Chez Météo et chez moi, on en fait tout le temps. Pas me dire que tu connais pas le roguelike. On en fait tout le temps. Déjà tous les dimanches on fait Darkest Dungeon. Enfin moi je fais Darkest Dungeon. Je sais pas comment les balancer. Non mais ils bougent pas. Comment tu veux les faire tomber dans la lave? Ah. Je vois pas trop. Une idée, Chocobo? Ah, il a bougé là. Et là, il bouge plus. Aïe, aïe, aïe. Bah, le roguelike, c'est simple. C'est. Tu rentres dans un donjon, il change à chaque fois que tu y rentres. Et tu perds. Si tu meurs, tu perds tout ce que tu as. Alors sur celui-là, comme tu dois récupérer les ingrédients, tu peux te sauver quand tu veux. Sinon en général, t'as des niveaux ou des trucs un peu particuliers. Je sais pas comment le faire cramer. Et roguelite, c'est quand tu gardes certaines choses quand tu meurs. Tout simplement. Binding of Isaac, par exemple, qui est très connu, c'est un roguelike. Ouais, mais ça c'est un style que tu regardes souvent en fait. Tu vois souvent sur des streams de roguelike, alors c'est pour ça que je suis choquée que tu connaisses pas. Yann, c'est plus rare par exemple. Je sais pas comment l'avoir succès. Tu fais vaincre un patatosaure avec la lave. Avec la lave. Déjà, faut en trouver un, et quand t'en trouves un, t'arrives pas. Ou alors. Faut qu'il soit sur une case un peu cassée. Ouais, mais ça t'empêche pas de. J'aurais pu demander à chaque fois, quoi. Mais voilà, maintenant tu sais c'est quoi un roguelike. Après, c'est pas simple les roguelikes. Les roguelikes sont plus faciles du coup, comme tu gardes certaines choses. Monsieur, je lance des trucs hein. Genre lui là. Ouais, mais il est pas dedans hein. Il est où l'arbre? Il est là-bas.
Ouais, les patates aux ors à faire tomber dans la lave, c'est compliqué. Mais c'est vraiment cool les roguelikes. C'est vraiment un très très bon style de jeu. Et là il bouge mais il va pas au bon endroit. Hein. Ah c'est dommage. Je sais pas comment les faire. À mon avis c'est un coup de bol. Hein. Sur Dark Asian Jaune, bah c'en est aussi. Après il y avait Battle Shaper, ce qu'on a fait la semaine dernière. Mais elle a spawn le saut. Oh putain. Aïe. Il était les deux, il était roguelike et roguelite. Les trucs que tu gardais, les trucs que tu perdais quand tu mourais. À chaque fois que quand tu re-rentres, c'est totalement différent. Quoi. La zone, elle est totalement changée. Au niveau des pièces. Simple en explication, on voit pas trop comment faire. Ouais, c'est plus difficile, c'est de différencier les roguelike et des roguelites. Même moi des fois je me trompais mais. Ah mais y a pas que ça, c'est pas ça qui définit un roguelike. Et là tu vois par exemple on peut partir, sur celui-là tu peux partir quand tu veux. Par contre si je meurs, je perds tout. Et tous les roguelikes, quand tu meurs à la fin t'as ça, enfin t'as un résumé. Donc, combien d'ennemis t'as tué, etc. Ah, j'ai une quête aussi là, encore. Basile. Oh, Parxian, ça va être une catastrophe. Tout va bien, qu'est-ce qui se passe? La belle-mère nous rend visite ce soir. Je voulais vraiment l'impressionner en cuisinant les tempura de crabe. Oh, trop bon. Ce plat se compose de morceaux de crabe bien assaisonnés, qui frit dans une panure épaisse. Chercher partout, impossible de trouver du crabe. Sans ça, je ne pourrais pas cuisiner ce plat et elle sera déçue. Je peux t'aider à en trouver. En échange, est-ce que tu pourrais me donner la recette? Avec plaisir. Comment j'en ai? En fait, on a plein de nouvelles quêtes parce qu'on a débloqué la dernière fois un nouveau donjon. Et du coup, on a débloqué plein de nouveaux produits, donc voilà. Qui veut du crabe? La simulation, ça vient, on en fait.
on fait samedi. Je sais pas si ça va être suffisant ou combien j'en ai, je pense pas, mais... Les établissements ouverts 24 sur 24 pour ce style de serrure. Parce qu'il y a des jours fériés. Et peut-être qu'il y a des pièces où, qui sont pas ouvertes. Peut-être pas tout le bâtiment qui est ouvert. Il y a peut-être des salles un peu... coffre-fort. Je sais pas. Je dirais ça, mais après... Tu te poses des questions existentielles, je vois. Même moi, je me suis jamais posé la question. Je pense pas. L'air et l'air. Vu que c'est de l'air, ça tente pas, ça reste, je sais pas. C'est pas des questions plus simples. Ah, il y a Monsieur Troc. Qu'est-ce que t'as? Ça c'est bien, on en a trop. Parfait. Il est où l'autre qui m'a demandé? Il est pas là, bien évidemment. Ça coûte combien d'agrandir? 2500. Il me manque pas beaucoup. Hein. Ça, et puis on va aller faire le donjon de glace pour du crabe et de l'eau et des glaçons. On va vraiment taper sur des glaçons, vous allez voir, c'est drôle. Bah non, du coup. Sinon, il se transformerait tout le temps. Énormément de piment et de farine. Pour les trocs, c'est pas mal. Tu les sors d'où tes questions, Targin? T'as un site? Ou t'es comme Julien, tu réfléchis trop? Sûrement trop réfléchir.
Moi, c'est le genre de question que j'arrête de me poser parce que sinon, après, t'en finis plus. Ah, mais il m'a mis un coup de poing de... Alors que je suis en train de lui taper. Il va me frapper pendant que je le tape, lui il triche hein. Coucou... Enfin re-coucou Julien. Tu vas bien t'entendre avec Tarquin. Eh mais question est aussi facile que toi. À vous deux, vous allez faire un débat pendant 3 heures. Nous on prend le popcorn et on vous lit. Et il y a Monsieur Glaçon. C'est lui qui vient des glaçons. C'est qui fait ça? Ah, y'a un bonhomme de neige qui m'attaque. Coucou les farines! Le travail après, je vais y retourner. Pendant sa pause, il réfléchit au monde. Le chocobo chez Apple. Pourquoi? Ah parce qu'elle a les petits fours. Oh, tu lui poses aux autres pour pas avoir à réfléchir. Non, moi je peux te trouver des réponses, mais c'est pas forcément les bonnes réponses. Ah bah ça serait génial Tarkin si tu peux laisser le petit ninja. Ça m'aide énormément. Yann, tu peux essayer. Merci pour le follow, allô, et bienvenue à toi, comment vas-tu? En fait, ce qu'il me faudrait dans le jeu, c'est une armure, mais il n'y en a pas. Enfin, il y a les gants, mais il y a les bottes. Mais... C'est pas foufou, hein. C'est pas foufou. Que j'ai plein de soucis avec mon frigo avec cette putain de lumière qui a des faux contacts. T'es capable de regarder dedans. C'est bon, je suis calé. Lumière de frigo. Et là, en premier, le fait la ou la poule, les deux. C'est des croyants, les deux. Mais t'as jamais de racheter des potions. Personne ne me l'a dit. C'est votre tâche, c'est votre seule unique tâche chez Chocobo. Vous faire rappeler d'acheter des potions, on en allait au Japon. Moi, je suis allé à poil. Ah, on va pas faire long feu du coup. On va mettre une petite session dans le jeu. J'imagine que ton Mogwai soit original Japon extra. Hein. Ça dépend de tes croyances. Ça dépend aussi de ça. Presque 15h là, donc j'ai deux colis qui arrivent en même temps. Je pense pas qu'ils aient été mis ensemble, ce serait bizarre. Mais ça va être le même livreur, il va y avoir deux colis pour moi. Et celui d'hier que j'ai eu le coup bizarre, j'ai fait relivrer à demain, du coup. Non, vendredi. On est quel jour, mercredi, donc après-demain.
casse. Non mais hier il m'a tué le gars du colis. Hein. En plus ils arrêtent les livraisons à 19h, j'ai regardé sur colis privé. Donc déjà, dire vous étiez pas là à 20h alors qu'il est 19h30. Déjà ils en tiennent une couche. Mais en plus ils livrent pas à 20h donc c'est des génies. Hein. C'est alors qu'ils auraient juste écrit il y a un retard de livraison dû au surnombre de colis, tu vois, moi, c'était bon. Hein. J'aurais compris, tu vois. Et franchement, c'est des quiches, hein. C'est des quiches. Pourquoi ne faut-il pas offrir le cadeau à l'être aimé dans la relation de couple? Et pourquoi on n'offre plus rien une fois en couple? Alors moi, Alex, je vais faire des trucs avant qu'on soit en couple et après qu'on soit en couple. Donc je sais pas où t'as lu ça. Et bon, peut-être des sentiments, faut croire. Au gazifi... Ah ouais, mais non, ça va pourrir si j'ai pas le temps de le ramasser. Ah, tout de suite, Cerber. Oh, je suis blindé en pierre. En même temps, j'ai tout ça. Et tu veux en faire quoi? Je vais les jeter. Eh mais attends, il y a gants. Pourquoi ils ont une apparence différente? C'est chiant. Tu peux pas faire pause pendant les coffres, franchement, j'ai juste une mise à jour. Mettez la pause dans les coffres. La spéciation. Ah, désolé, je connais pas ce mot, Julien. Ça veut dire quoi? J'ai jamais vu ce mot. GG, t'as requis un niveau de plus. Tu vas peut-être pas apprendre un mot, j'ai jamais vu. Est-ce que vous êtes ma meilleure amie? Hey Pomme, comment ça se passe dans ton restaurant? Tout se passe à merveille, et toi, qu'est-ce que tu fais de beau? J'ai jamais le temps de m'ennuyer, j'ai une ferme, je fais pousser des légumes frais que je vends ensuite aux habitants. Wow, impressionnant, ça demande un sacré boulot de s'occuper d'une ferme. Ouais, mais ça veut aussi dire que je peux pas m'ennuyer trop longtemps, même quand je dois aller chercher des outils. Là, j'ai vraiment besoin de bois flotté pour construire une nouvelle clôture, mais personne ne peut surveiller la ferme en mon absence. Je pourrais aller t'en chercher? C'est le moins que je puisse faire après tout ce que tu as fait pour moi. Oh, ça serait génial. Pendant que tu fais ça, je vais te trouver ma vieille recette familiale de fish and chips. Oh, ça j'en ai mangé à Dublin, mais c'est une tuerie. C'est le fait d'avoir une nouvelle espèce qui émerge à partir d'un ancêtre antérieur. Du coup, ça voudrait dire que ça serait l'œuf avant la poule. Moi j'ai une question, pourquoi on se demande c'est quoi qui arrive en premier entre l'œuf et la poule et pas entre l'œuf et le canard? Ou je sais pas qu'est-ce que... un autre truc du genre quoi. Non, la poule du coup c'est l'inverse. Ou l'œuf et la tortue. Je vais tous les faire. Pourquoi ils ont choisi la poule? Bah oui, c'est le même principe, mais pourquoi ils ont choisi la poule? C'est quoi leur problème avec les poules? Voilà, voilà. Moi je me pose de vraies questions, vous voyez. C'est bon, je vous ai tous perdus. Allez, salut. Faut que j'achète des potions avant d'oublier, hein. Sinon on s'en sort pas.
tantôt je check mais... check Amazon. Oh, il y a pas encore la carte affichée, donc je pense qu'il est pas dans le coin. S'ils arrivent en même temps les deux colis, du coup je peux se jeter moi. En même temps. Enfin s'ils arrivent en même temps. Toi tu voulais quoi? Ah oui, elle voulait des... j'ai les glaçons mais j'ai pas fait. Il manque 3. T'as vu qu'il faut du bois flotté? Alors, il nous faut de l'eau gazeuse. Il y a du bois de côté. J'ai pas oublié celui qui veut de la viande. Alors je vais être gentil, je vais dire normalement des espèces de G. La robe est différente de ces populations européennes, mais la barrière de la reproduction n'est pas passée encore. Et qu'ils peuvent encore se reproduire avec l'espèce classique. Bah, ça me paraît logique. Ils puissent. Ça aurait plutôt été l'inverse. S'ils pouvaient pas, j'aurais pas compris pourquoi. C'est juste une question de. Si c'est la même espèce, mais c'est juste une question de couleur de robe. Comme les chevaux ils ont pas tous la même robe donc. Ah oui, c'est le truc bizarre qu'elle voulait nous apprendre à faire. Et 2 recettes de plus. On va peut-être ouvrir le resto, hein. Pas besoin d'aller par le donjon. Ah si, il manque du crabe. J'avais pas trouvé du crabe. Je crois que j'en ai. Hein. Juste que je vais mettre de côté. Ah, j'en ai que 4. On va quand même faire un petit coup de resto. Pause ou pas quand je suis dans le sac à dos? Mais même là ça met pas pause. Même dans le sac à dos. Et peut-être que dans des milliers d'années, si une barrière géographique les isole plus en montagne ou en mer, peut-être naîtra une nouvelle espèce qu'on appellera... Ah oui, qu'on appellera autrement. Voilà, oui. Mais là, ouais, faut beaucoup d'années, ouais, voilà. On le verra pas si ça arrivait. Si ça arrivera, pardon. Resto un petit peu. Il nous faut 2500 pour agrandir le resto. Après il nous faut des meubles. Ah bah oui, mais faut... Ouais, avec le temps, quoi. Mais la question, c'est qu'à la base, de la base, de la base, tu vois. Donc après, t'as la réponse scientifique ou religieuse, quoi. Thank you.
Ça nous donne faim. Histoire de notre petite assiette. Scientifique, toi. Je sais. Les réponses, ça peut varier. Après, faudrait lire toutes les études et tout, mais j'avoue que pas trop qui m'intéresse. Coucou Darkness, coucou Kevin, coucou Tida. Darkness, c'était ta matinée. Maintenant qu'il y en avait plusieurs, comme ça j'ai fait en même temps. Plus sourd. Il faut arrêter, hein. Et il faut faire des pauses, hein. T'as réveillé Apple là d'un coup. En vrai, ça devient chiant. Il t'a dit quoi, ton médecin? J'ai envie d'un fish and chips. Il t'a rien dit? Il a rien pas proposé. Coucou Xexa, coucou Foligi, GG Odesta Night Arcane, niveau de plus. C'est pire. Bah, soit tu vas à l'hosto, soit tu essaies un autre médecin. Après, bon, à la pharmacie, ils savent les trucs basiques, mais il faut un truc un peu plus poussé. Mais je pense que la question, Julien, là-bas, c'est pour la toute première espèce, quoi, tu vois. Vraiment la toute première. Alors, je pense, hein, qu'à la base, c'est pour plus cette question-là, non?
Ah oui, je sais plus non plus comment ça s'appelle pour les oreilles. J'ai plus le nom. Ouais, c'est pour ça que je viens. Mais je pensais que c'était dans ce sens là en fait, que la question elle était posée. Mais... c'est juste pour la poule, ouais. ORL. Ah oui, c'est ça. T'as peut-être un bouchon, un truc comme ça, hein. Ça pourrait être un bouchon. Si tu remontes aux origines de la vie qui vient certainement de la matière, il faut remonter à la création de l'univers. Voilà, c'est pour... c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que c'est trop complexe. C'est pour ça que cette question retourne le cerveau à tout le monde. Oh. Oui, d'accord. Ah bah t'as peut-être pas un bon médecin. Pas un médecin, c'est dur, mais en trouver un bon médecin, c'est de l'exploit. Bah, j'espère que tu vas trouver une NORL du coup. En attendant, faut faire une pause. C'est foutu, hein. Oh, le 11, c'est plus compliqué, hein. Il n'y a pas les mêmes personnes, peut-être que je vais avoir la personne qui veut ça. Oh Jason. Mais ouais, c'est pour ça que je disais que moi c'était par rapport aux croyances, Julien. C'est parce que par rapport, voilà, vraiment au début. Trois crabes, juste trois crabes. On va pouvoir agrandir le resto. Je sais pas pourquoi je range, parce qu'on va aller voir. Agrandir le resto,
Donner la viande sans trop la personne. Choper du crabe s'il y a le troqueur. Sinon, on va faire le donjon du crabe. Chaleureuse, j'aime bien. Et tabouret chaleureux, il coûte cher. Ils sont beaux, eux. Oh, les tables. Oh, c'est joli aussi. En vrai, c'est encore plus joli. Mais c'est trop cher. Oh, c'est quoi la table carrée? Ah oui, là, il y a carré aussi. Mais c'est pas joli en carré. Boîte jaune, ce sera peut-être pas mal. Attends de faire de l'argent et tout. Oh, une petite lampe là. Oh. Un vrai bordel. Il a une quête maintenant. Oh, vous êtes pomme l'aventurière, c'est ça? C'est bien moi, je suis en train de chercher de nouveaux plats ajoutés à mon menu. Oh, j'ai plus ce qu'il vous faut. Que dites-vous d'une recette d'assortiment de sushi? En échange, j'ai besoin que vous me rendiez un service. Y'a Redemotion. Coucou à Juju, coucou Pedro. J'ai tant de choses à faire que j'ai oublié de changer mon équipement de cuisine. Si vous pouvez m'aider à trouver un nouveau couteau débat, je vous donnerai ma recette. Marché conclu. Il veut un couteau. Je crois que j'en ai en stock. Ah, c'est le crabe. Ah, mais vous voulez vous faire plaisir pour votre mariage? Chou. Ça, faudra mettre ça, faudra mettre ça. Je vais peut-être pas sauvegarder si j'ai d'abord à j'ai ça à manger. Bon, le donjon, faudra aussi qu'on chope du bois flotté à mort. Ah oui, il me faut un couteau débat. Pas mal de quêtes.
Une question. C'est la poule qui est venue avant l'œuf. Je te fais un résumé. Dis merci. Voilà. Une de quête. Une quête de plus. Comment c'est une quête là? Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Vous voulez pas que j'aille faire mon donjon? Quand on doit respecter une trêve, il y a un mot. Pour. Comment la personne doit se comporter envers l'autre, non? Pas seulement pacifique. Récapépète. C'est quoi que tu cherches? J'avais l'air bizarre, toujours tourné autour de sol. Peut-être que je devrais aller lui parler. Ah, t'es amoureuse du loup. Mais vas-y quoi, t'es toute choupie, il va t'adorer. Allez, vas-y, je te pousse si tu veux. Vraiment, en plus, elle est toute choupie. J'adore son design. J'ai le souci, je m'en sors pas. Seigneur Galanga, pourquoi être aussi cruel? Il y a un problème. Un voleur vient de partir avec mon portefeuille et j'ai absolument besoin de cet argent pour m'acheter de la nourriture. Tu n'as pas de monnaie sur toi? Oh non, j'aimerais pouvoir t'aider, mais je n'ai pas grand-chose sur moi. Dis-moi de quoi tu as besoin. J'ai quelques souvenirs des herbes. Oh, j'ai une recette de crabe au poivre noir. Il fait revenir du crabe dans du beurre, des haricots et de délicieuses sauces jusqu'à ce que sa carapace devienne en orange vif. Si tu me cuisines du crabe à la vapeur, je te donnerai la recette. Je me sauverai la vie. Bon, elle aussi, elle veut du crabe, donc c'est bon. Moi, je me promène avec mon attendrisseur. Je vais finir par le perdre en mourant. Quelqu'un a compris ce que voulait dire Red et a trouvé le mot. Ah, peut-être qu'il y a un chocobo qui t'aura compris. Je vous ai compris. Jusque... Ouais, jusque là, ouais. Bah, ça se trouve, c'est un mot que je vois pas, hein. Après. C'est peut-être moi qui vois pas. Il y a des chips. Il y a des patates qui lancent des chips. J'ai faim, loup. Moi, si t'as faim, loup, mange l'eau. Voilà. T'as cherché, là, moi. J'ai cherché l'eau. Mais Apple parle, je sais pas comment, maintenant. On l'a perdu, là. Les chats envers les autres doivent être... Ils doivent être... exemplaires. Gentils. C'est pas gentil d'être méchant. Aidez-moi pas sur tous les chocobos. Hein. Personne qui mène à essayer de trouver son mot là. Des questions pour un champi pipignon. À vous de jouer. Je cherche... Ah, j'ai sur le coup. Apple sur le dico. Non, mais je sais ce que c'est que de perdre ses mots. Ça m'arrive tout le temps, tous les jours, plusieurs fois par jour. Je tiens ça de ma mère, c'est horrible.
vrai que son bois flotté, elle me plaît bien. En même temps, c'est mon donjon préféré. Il est magnifique. C'est vraiment les meubles qui vont avec. Elle me plaisent tout autant. Respecter les accords. Peut-être c'est ça, non? Ah, tu cherches un mot comme neutre et pacifique. Ah, bon appétit, Cerber. Ah, il y a peut-être un synonyme. T'as tapé synonyme sur Google. Synonyme de neutre. Ou de pacifique. Ça se trouve, c'est un synonyme. Ça se trouve, tu trouveras même un autre mot encore mieux. Top synonyme pacifique. Impartial. Ah, impartial, c'est pas mal. À l'amiable. Eh, c'est pas mal aussi. Mais je pense pas que c'est ça, mais c'est pas mal comme. Mais impartial, c'est peut-être. Ouais, je sais pas. Y'a un homard là. Ouais, je reconnais les attaques. Il donne des crevettes, lui. Même plus, c'est quoi l'attaque? Je l'avais jamais fait. Mais elle est pas mal cette attaque. J'avais jamais testé. Vous savez que j'avais testé celle du poisson, mais pas de cette arme. Possible que ça soit impartial. Ah, utilisez-le, hein. Donc Marine a gagné. Tu remportes un dictionnaire. Elle m'a dit, dites rien, c'est toujours ça donc qui veut gagner un champignon. Ils gagnent toujours des trucs qu'ils ont pas besoin. On vous offre toute la collection de nanana. Non mais les gars, ils ont accueilli je sais pas combien, et à mon avis ils ont déjà tous tes bouquins. c'est pas grave, hein. On se sera bien marré à trouver ton mot. Dino Lima. Coucou les arrivants. Bon, il me faut des glaçons. Et plus beaucoup. Ah, du crabe. C'est vrai qu'à la base on est chercher du crabe. Vous calmez là. Une patate là, elle me lance des chips. Oh non, y'a un. Il est où? Ah, mais. Rien vu. Mais qui me balance l'autre truc là? Y'a un ennemi qui est plus loin qui me lance. Et c'est pas le glaçon? Il est où l'autre? Je sais quel ennemi fait ça et je l'ai pas vu. Le pire, c'est que ça me revient d'un coup et je vais balancer sans raison. Bah, c'est souvent comme ça, hein, t'inquiète pas. Bah, il est où l'autre qui attaque? C'est pas le glaçon qui faisait ça, si c'était le glaçon. Il y a des attaques à distance aussi, le glaçon. Oh putain, mais. Ah, mais lui, il peut passer dessus tranquille. Ces crabes là.
il y a un crabe avec une épée. Parce que le pire, je dirais ils se sont tendus. Entre les deux. Oh, il y a une fontaine de jouvence. Oh, c'est un petit café ou un petit chocolat chaud là. C'est sympa ça. En même temps, je suis jamais allé aussi loin dans ce donjon. Vous me faites chier là. Je voulais passer à droite, mais j'arrive pas. Bon, je vais attendre qu'il vienne. J'ai le hockey. Pourquoi j'ai le hockey? J'ai le hockey d'un coup. Ne me demandez pas, j'en sais rien. J'ai le hockey. Et la patate. Pas tant que ça en bois flotté et tout, hein. Le bois flotté, c'est le bois bleu là, comme ça. Il est radin le jeu. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas avoir les compos. Donc en gros, si vous avez trop de bois classique, vous allez le jeter à la poubelle. C'est assez horrible. De quoi tu chopes, voilà, quand tu casses du bois, tu casses le reste, quoi. C'est vraiment l'arme que je préfère. Avec les le bouclier que ça met. Ah, le bouclier, c'est lié à un truc qui casse sur l'arme. C'est pas de base avec l'arme, mais. Moi, j'aime bien celle-là. J'ai trouvé mon arme. Il y a du poulet, hein. Coucou Natchi, GG, un niveau de plus. Niveau suivant. Il me reste quoi, une potion? Je pourrais trouver une fontaine de jouvence, ça serait pas mal. Du bois et compagnie. Donc Luna a fait une bêtise, je sais pas. Luna, je t'entends. Ah. Et le livre.
l'horreur se rapproche de chez moi, hein, donc si à un moment je suis en... Je me mets en pause. Vous saurez. C'est bon, il a fini? Pas de faire une arène sur le truc de glace, honnêtement. Après, j'ai une potion, tu me diras. Ça sent pas bon, allez, on va en faire une, mais. Ah, je le connais pas, lui. On est comment? On est plutôt blindé, hein. Présentez vos hommages. Ça aurait été bien ça avant. Présentez vos hommages. En fait, vous voyez, j'ai un petit boost. Enfin, j'ai un bonus sur des dégâts et tout. Mais ça aurait été cool avant le donjon. Pas après. Coucou Mariette! Coucou Ketcho, coucou Yoda. Bon, j'ai encore une potion, mais. Blindé. On a pas eu beaucoup de crabes. Eh, j'ai chopé des gants, j'ai chopé où? Il voulait quoi déjà? Ah lui voulait la viande. Ah bah j'arrive. Lui qui voulait la viande. J'avais plus besoin de tout ça. Vite que j'aille chercher au moins la viande. Oh, je compare les gants. La viande. Après, il y avait quoi comme autre quête? Ah bah la vapeur. Ah bah la vapeur, il en faut juste un.
C'est chiant, t'as pas beaucoup de temps pour aller leur donner. Tu vas te dépêcher. C'est le problème du jeu, hein. C'est vraiment le gros problème. Oh putain. En plus, si tu vas pas te coucher avant... À minuit, tu tombes dans les pommes. Mais si tu vas pas te coucher avant, t'as un malus le lendemain, donc... Les burgers. Il y a pas la personne qui voulait les crabes là, je crois pas. Théoriquement, le resto va être agrandi. Théoriquement, on avait fait l'agrandissement. Ça se fait pendant la nuit. Et c'est crabe vapeur. Crabe vapeur et crabe à donner. Je crois que j'ai plus le poil ce qu'il faut. J'espère. Crabe free, non, crabe vapeur. Si c'est vape, il y a des trucs à la vapeur. Ah bah la vapeur. C'est bon, il va me rester ce qu'il faut. Non, c'est pas encore agrandi un resto. Il faut plus de jours. Je sais pas, il faut combien de jours. Je sais pas s'il nous l'a dit. C'est la saison, on s'en fout. Ah, c'est l'anniversaire. Bonjour Pomme, c'est mon anniversaire. Tu sais que te faire goûter ma cuisine est le plus beau des cadeaux. Dis-moi ce que tu en penses pour que j'améliore la recette. Elle m'a donné une soupe des tentacules, merci. C'est le jeu où les gens te donnent des cadeaux à leur anniversaire et pas l'inverse. Ah, il y a le troc. Comptoir du troc, parfait. Troqué. Pas mal. En fait, j'en ai pas tant que ça. Y a personne qui a... Ah, oh non, mais c'est une nouvelle quête à prendre. Ça, c'est pas une quête à donner. Pomme, tu as entendu les dernières nouvelles? Je crois pas. Que se passe-t-il? Il y a une surpopulation de cubes de glace dans le fjord gelé. Ils volent les ressources des aventuriers. Le climat était déjà rude, mais voilà que les monstres s'y mettent. Oh, et c'est à causer des problèmes? Oui, en fait, je travaille avec des gens qui voyagent souvent là-bas. Et même si ça me touche pas personnellement, ça m'inquiète quand même. Je peux peut-être faire quelque chose, moi aussi je suis une aventurière après tout. Quel courage, si tu parviens à repousser ces monstres, je t'offrirai la recette du plateau fast-food. Plateau fast-food. Ils avaient plus d'idées, là. Là, tu vois qu'ils avaient plus d'idées à ce moment-là. Coucou Black, la haute, comment ça va? Il m'a tué lui. Plateau fast food. Comment dire? Non, il y a une recette. Est-ce que tu nous apprends à fabriquer le plateau aussi? Mais faut quoi exactement lui? Ah, faut juste vaincre des cubes de glace. Là, va falloir y retourner. On va attendre un peu avant d'y aller. C'est quand que je peux... Ah, ils travaillent dessus. Ah, il faut que je rachète aussi des potions. Ah, du crabe. Au moins, lui, il est là. Tamar Swallowy, tu es la meilleure. Voici la recette des tempora de crabe que je vais pouvoir faire ce soir. Faites-moi bonne chance, j'espère que ma belle-mère va apprécier ce repas. Et l'autre, je sais pas où il est. Il ne reste plus qu'à donner le crabe et après à vaincre. Ah, on avance pas mal sur les quêtes. On est bon. On est bon. On s'en sort bien.
à deux, ouais, toujours à deux. Comment ça va, Black Cloud? Ça a été ta matinée? Tranquillou. Coucou Elia. Coucou Darkitou. Malade comme un chien. Aïe aïe aïe. Bah moi par ma dent ça va bien. Ça va bien. Tranquillou. Ah j'ai pas chopé la crève lundi, ça va. Je suis resté un moment dehors dans le froid. Mais ça va, j'ai réussi à... à esquiver. J'ai quoi dans le sac? Le truc. J'ai quoi en gants? Sucré. Ah, ça peut être pas mal. En fait, je sais pas si ça change quelque chose l'apparence des gants. Ouais, mais ça c'est bien aussi. Compliqué. Hein. Bon, je vais ouvrir comme ça le resto. De toute façon, ça va bientôt être agrandi. Je sais pas si je peux mettre un tabouret là. On va se faire un peu le resto. Si jamais je me mets à poser un coup, vous saurez mon petit chocobo. Patate au four et fromage. Ça si c'est bon ça. Pizza. Ouais, tomate en rondelle à côté, on s'en fout un peu, tu vois. Acheter des beaux meubles, ça va être cool. Hein. Oh, t'as que le grillé. Ouais, oh, allez, on a la caisse. Tomate rôtie, œuf au plat. C'est parti. Qui veut quoi, les chocobos? C'est le moment. Il y a le choix. Premier burger là, qui nous a demandé. On a la recette. Je
Non mais... Elle vient au resto, elle demande de l'eau gazeuse. Mais bonjour! Je veux de l'eau gazeuse, s'il vous plaît. Je veux que ça. Rien d'autre. De l'eau gazeuse. C'est pas un bar ici. C'est ça. Moi, c'est surtout ça doit coûter cher l'eau gazeuse dans un resto. Je viens que pour ça, ça va coûter cher. Après, c'est peut-être parce que c'est l'heure du thé, tu vois, donc il y a l'eau gazeuse. Ceux qui viennent pour concentrer de tomates aussi. Il doit être excellent. De Dragon Ball, les Namek qui se nourrissent pas, je crois, par boire de l'eau. Oh, ça va être trop bien pour avoir la ligne. Est-ce qu'ils ont la ligne? Il y a peut-être quelque chose dans l'eau, hein, ça se trouve. C'est pas de l'eau diète. Pas de sexe. Quoi? Fondre par la bouche. Succès débloqué. Gagner un massacre total de 50 000 pièces. Ah. Thank you.
Ça n'en finit plus. Ah. Thank you.